cyclistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve près de Barcelonnette. Aujourd'hui, on va donc monter à la cime de la Bonnette, qui n'est rien d'autre que la plus haute route goudronnée de France. Et on vient de quitter Josier et on entame l'ascension du col de la Bonnette, qui dure environ un peu plus de 22 km. Malgré ce que nous dit ce panneau, on n'est pas sur la plus haute route d'Europe, puisque en Sierra Nevada, il y a une montée goudronnée qui monte jusqu'à 3390 mètres. En revanche, on est bien sur la plus haute route goudronnée de France. On est sur un col qui est long, mais qui n'est pas si dur que ça, avec 6,5 de pourcentage moyen. Par contre, la réelle difficulté, c'est que comme on part déjà de assez haut en altitude à Josier, on effectue plus de 12 km au-delà des 2000 mètres. On approche des 2000 et il y a déjà de moins en moins de végétation. Normal, l'oxygène se fait plus rare, et là il nous reste encore 800 mètres de dépluge. Ça y est, la cime de la Bonnette est en vue. Le col de la Bonnette qu'on voit juste ici au bout. Et derrière ce dernier talus, la cime de la Bonnette. On arrive! Après être monté à la cime, jusqu'à la cime, pour vous faire un petit débrief là, histoire de se mettre un peu à l'abri. C'est une ascension qui reste extraordinaire par son altitude. Je suis bien content de l'avoir ajouté à ma liste de cols que j'ai grimpé. On va redescendre, bien sûr, pas oublier le petit coup de vent. Et on est reparti, place à la descente. Je vous invite à aller faire un tour du côté du site internet, sur lequel vous pourrez retrouver plein d'articles qui ont été publiés et qui vous aideront à vous entraîner, comment construire votre programme d'entraînement,
comment vous y retrouver parmi tous les tests qui existent, notamment tests FTP, tests PMA, comment les réaliser et à quoi ils servent, et plein d'autres choses qui vous aideront sûrement dans votre entraînement. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.